Stéphanie, tu me passes la confiture, s'il te plaît? Stéphanie, tu rêves? Hein? Oh, excuse-moi, j'étais perdue dans mes pensées. Tu m'as demandé quelque chose? La confiture à côté de toi. Oh, excuse-moi. Tiens, voilà. Merci. Je pense à un homme, hein? Qu'on a le regard perdu dans le vague comme ça. Moi, je pensais à Marc. À Marc? Bah oui. Je sais pas, mais ça me fait tout drôle de savoir qu'il est parti. Puis je me dis que ça sera jamais plus comme avant, quoi. Ah oui, ça t'as raison, on sera plus tranquille, parce que lui, de temps en temps, il était d'un lourd malheur. C'est vrai, même quasiment tout le temps. Mais bon, je sais pas pourquoi, au moins il animait l'étage, et puis non. Puis on va être les voisines de qui, maintenant? Pour qui on sera les filles d'à côté, tu veux me le dire? Ah oui, t'as raison, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Mmh. Imagine que le nouveau voisin soit beau comme un dieu, célibataire, sexy et tout, et tout, et tout. Oui, alors là, évidemment, ce serait le rêve. Hein. Ah oui, t'as raison, ce serait le rêve. Mmh. Hein? Mmh. Mmh. Je crois qu'on a sonné. J'y vais. Comment il l'imagine, le nouveau voisin? Mais moi, je le vois séduisant. Mais alors, séduisant. Séduisant. Tu comprends, Sabine? Moi, je voulais pas vous déranger à une heure aussi matinale. Seulement là, c'est pour une urgence, alors c'est pour ça. Jean-Gérard. Bonjour, Stéphanie. Stéphanie, je crois que Gérard a un petit problème. Non, non, un gros. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben voilà, ce matin, au réveil, je me suis aperçu que... Ben, une horreur, c'est... Non, ben, je veux voir Théo, moi, de toute urgence, et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que t'as? Non, mais c'est... Mais non, c'est gênant, tu comprends, c'est... À cause de ça. Ah, oui, oui, tu peux rire, c'est un bouton. C'est une horreur, ce gros truc, là, tout rouge, tout gonflé. Ah, oui, et puis alors, à la loupe, hein, je te raconte pas, hein. Oh là là, à la loupe, si vous voyez ça, mais c'est une espèce de grosseur suppurante, tu vois. Oh, ben oui, mais... Ça ressemble à... Ça ressemble à un cancer, c'est sûr, c'est un cancer, de toute façon. C'est un cancer. Calme-toi. Non, je te dis que c'est un cancer, non. C'est pas un cancer. Tu dramatises. Non, je suis sûr que non. Je suis sûr que non, on dit. Voilà. Oui, maintenant, ça. Je sais, je t'aime. Bonjour les filles. Salut Gérard, ça va? Ah, Théo, bah vous tombez à pic, parce que justement, on a besoin de vous. En fait, pas nous, c'est Gérard qui a un petit problème. Ah bon? Gérard, t'as un petit problème? Non, un gros. Un gros? Oui, c'est... C'est ça. Ah oui, en effet. Attendez, faites-moi voir. Alors, docteur, allez, dites-moi tout. Ne cachez pas la vérité, je saurais être fort. C'est grave, c'est ça. Ah, mais c'est grave, forcément, c'est un cancer. À première vue, voilà, c'est... même à deuxième vue, d'ailleurs, c'est... C'est un bouton. C'est un bon gros bouton. Là, on peut dire qu'on a déjà affaire au bon gros bouton, quoi. D'accord, petit... Un attention. Voilà. Oh mon Dieu. Oh, quelle horreur. Alors, ensuite, Théo, qu'est-ce qu'il m'a dit? Un comprimé par jour pour enrayer l'infection. Tu penses? Je sais bien que je suis déjà infecté. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué? J'ai pas dépassé la dose prescrite. Mais tu penses, ça c'est pour les petits boutons d'un adulte, tous. Oui, ben je dépasse la dose prescrite et puis c'est tout. Tiens. Ah, oh ben je vais pas rester toute la semaine comme Monsieur ça, moi. Gérard, qu'est-ce que ça veut dire? Vous fermez la porte du vin à clé maintenant? Ah, mais non, madame, je sais pas qui, c'est pas possible. Elle doit être ouverte comme d'habitude. Fermez, je vous dis. Mais c'est pas possible. Non, écoutez, dites que j'ai l'habitude de mentir. Mais venez avec moi si vous ne me croyez pas. Non, mais très bien, mais j'arrive, je vous suis. On va vérifier. Allez. Tenez, pardon, je suis démarche. Merci. Je vous en prie. Allez. Oui, on va, merci. Ah.
Ah bah oui, elle est fermée, cette fenêtre. Je vous l'avais dit. Ah oui, bah c'est pas normal. J'ai jamais ouvert ce matin, je me souviens bien tout de même. Je suis pas fou, hein. Ah, mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, mais c'est un homme! Hein? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Je sais. Je n'ai rien à faire là. Mais je ne faisais que passer, vous savez. Seulement, la porte était ouverte. Alors, j'avais très sommeil et il faisait chaud ici. Alors, je me suis dit que... C'est alors? C'est un squatter! Oh, quelle horreur! Mais alors, quelle horreur! Il est de pareilles choses dans une salle de sport! Ah, vraiment! Quelle horreur! Madame, je sais pas qui! Elle a l'air furax. Remarquez, je la comprends. Hein. J'ai rien à faire là. Mais non, vous n'avez rien à faire ici! Bah, c'est une salle de sport, c'est pas un dortoir! Ah bah oui, excusez-moi. Bon, bah c'est facile ça, maintenant que le mal est fait. Mais vous rendez pas compte de l'impression que vous laissez à mes clients, vous! Bah oui, je sais bien, mais vous savez, je savais pas où dormir. Et puis là, j'ai trouvé l'endroit si sympa, si douillet. Bah tiens. Alors j'ai pas pu résister. Oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Non, mais je m'en vais. Je vais m'en aller. Et comment donc vous allez partir? Et puis vite que ça. Vite. Oui, je m'en vais. Bah, vite. Tout de suite. Oui. Bon, bah je vois que je dérange alors. C'est vrai, hein. Quelle odeur. Excusez-moi, mais. Ah oui, ça c'est moi aussi. Ouais. Oui. Excusez-moi. Oui, Bah vous savez, hein, quand on vit dans la rue, hein, trouver des douches publiques, pas toujours facile. Dans la rue? Vous vivez dans la rue? Bah oui. Mais pourquoi vous vivez dans la rue? Ah bah vous savez, on n'a pas toujours le choix. Hein. Ah ça, la vie ne m'a pas gâté, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah d'abord, j'ai perdu mon travail. Ça c'est... Ensuite, j'ai perdu ma maison. Ma fiancée m'a quitté, ma femme aussi. Et puis comme j'ai pas de famille, oui, je suis orphelin. Alors? Parce que vous avez une femme et une fiancée, vous? Ah oui. J'étais un homme respectable. J'avais tout. Ah, oui. Alors, l'une m'a quitté parce que j'avais perdu mon travail. Ah, et l'autre parce que j'avais plus de maison. Je suis plus trop laquelle. Hein. Je vous donne ça un peu dans le désordre, mais enfin bon. Vous savez, quand on vit dehors, on a froid, on a faim, on n'a plus les idées très claires. Enfin bon. Je vois que je dérange ici aussi. Alors, je vais m'en aller. Enfin, merci quand même. Hein. Ça m'aura toujours permis de passer 10 minutes au chaud pour dormir un peu. Oui, mais c'était... Mais allez, au revoir, monsieur. Oui, mais attendez. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai sali? J'ai fait quelque chose de mal? Mais non, c'est pas ça. Ça vous dirait une bonne petite douche, bien chaude? Ah, ce serait pas de refus, ouais. Oh, mais un peu de crasse, vous savez. On croirait pas comme ça, vu de chez les gens bien. Mais ça tient chaud quand il fait froid. Mais écoutez-moi, c'est quoi votre petit nom? Albert. Albert, ben c'est joli, Albert. Bon, ben Albert, vous n'avez pas discuté, vous allez me suivre. Vous allez prendre une bonne petite douche. Puis après, ben on verra, on se débrouillera. Stéphanie, je me demande si t'avais pas raison. Raison à propos de quoi? Je crois que finalement, Marc va nous manquer. Ah oui, c'est vrai, il était sympa. Hein? Et drôle, finalement. Vraiment drôle. Mais bon, peut-être qu'il reviendra, qui sait? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, on dirait que ça vient de chez Marc. Non, tu crois? Allons voir, on en aura le cœur net. Ah oui, t'as raison, allons-y. Là. Excuse-nous de te déranger, mais... On a entendu un drôle de bruit qui venait de ton appartement, alors tu comprends? Ah, mais c'est Madame Pichardot. Ah, Madame Pichardot? Oui. Entrez, vous allez comprendre. Venez. Ah, attention. Entrez, oh là là. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle a? Bah, c'est à cause de tonton. Elle a réalisé qu'il était parti, alors elle s'en remet pas. C'est vrai qu'elle est dans un sale état. Ah oui, c'est vrai, qui le dites-vous? Moi, ça fait des heures, j'essaie de la calmer, mais c'est de pire en pire. Mais c'est vrai, avant, on l'entendait pas du tout, hein. Ah non, mais au début, ça s'est passé plutôt calmement. Mais c'est quand elle s'est mise en tête de trouver tous les objets qui lui rappelaient tonton. Alors là, à chaque fois, c'était une larme, puis alors deux larmes, trois larmes, une tonne de larmes, jusqu'à maintenant, la crise, quoi, enfin voilà. Coucou, Madame Pichardot, c'est nous. Et c'est nous, les filles. Coucou, Madame Pichardot. Ça va? Oh, les filles.
laisser comme ça. Mais non, elle va ameuter tout l'immeuble. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Un bon somnifère. T'en as pas, Benoît? Ah non, non, moi j'ai pas ça, non, non. Non, mais Théo, je vais aller chercher chez Théo, j'y vais. Ah, eh ben je suis avec toi. Ah ben non, non, ça ira, non. Ah bah si, si jamais Claire est là, je suis sa sœur, ça vaut peut-être mieux qu'elle me voit rentrer dans sa chambre plutôt que toi, quoi. Mais il doit être seul, Théo, moi j'ai vu Claire sortir tout à l'heure. Ah oui? Oui. Ah oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié de te le dire, Claire est sortie faire des courses. Ah oui, d'accord, je vois. Bon, eh ben, raison de plus pour que je vienne avec toi, hein. On sait jamais, si jamais il a le sommeil lourd. Allez-y, monsieur Albert, je vous en prie. Voilà. Alors, monsieur Albert, vous vous sentez mieux comme ça? Oh, si ça va mieux, monsieur Gérard, mais... Salut. Je me sens au paradis. Bon. Si, si, merci. Non, merci. Mais c'est rien, c'est juste une petite douche, quelques vêtements propres, et puis c'est tout. Pas de quoi en faire un plat, vous savez. Oh, si, si, c'est énorme. Vous savez, ça fait des mois que j'ai pas connu ça. Hein. Vous avez du cœur, vous. Hein. C'est pas comme les gens dans la rue, hein. Qui vous marcheraient dessus sans même s'en apercevoir. Non. Ah, si, si. Moi non plus, je voulais pas le croire, quand j'étais un homme respectable. Mais ils sont même pires que ça. Ah bon? Ah, bah oui. Mais dites, monsieur Albert, excusez-moi de vous demander ça, je voudrais pas être indiscret. Mais qu'est-ce qui vous a conduit là où vous êtes? Oh là, c'est une longue histoire, vous savez. J'étais courtier en bourse. Oui. J'étais un bon. Ah, c'est ça. Je réalisais des opérations d'enfer. Oui. Tout me souriait. Mmh. J'avais les femmes à mes pieds. J'étais aimé, envié. Mmh. Et puis un jour, crac, boum, tout s'est écroulé. Mais comment ça? À cause d'un perfide et d'un jaloux. Ah oui? Monsieur Gérard, oui. Oui. Croyez-moi, si vous êtes entouré de perfides et de jaloux... Oui. Croyez-moi, un jour ou l'autre, ça tourne au vinaigre. Ah oui? Remarquez, je vous comprends parfaitement. Ben moi, dans mon sillage, par exemple, ben, tenez, j'ai un jaloux. Ben oui! Il s'appelle Norbert, un collègue de travail. Ben, je peux vous dire que chaque jour, ben, je m'attends à ce qu'il me fasse un tour de cochon, mais ça chaque jour. Ben voilà, c'en est un comme ça, moi, ah, qui m'a fait tout perdre. Lui, il s'appelait Michel. Ah oui? Ben, il a fini par tout me prendre. Mon job, ma maison, ma femme, ma fiancée, tout. Excusez-moi, monsieur Albert. Mais vous ne m'aviez pas dit que vous aviez perdu votre femme parce que vous aviez perdu votre maison et votre fiancée parce que vous aviez perdu votre travail, c'est pas... Oui, mais Julien a tout récupéré. Ah, Julien? Mais ça plaît pas Michel? Si. Michel. Enfin, Julien Michel. Ah, c'est ça. Mais enfin, de toute façon, c'était un sale type, alors... Ah, oui. Mais de toute façon, toutes ces personnes malfaisantes, ben, elles ne devraient pas porter de nom. Mais c'est ce que je dis, moi. Ah, ben, ça, je suis bien d'accord avec vous. Oui. Mais dites, vous n'avez jamais retrouvé de travail? Ben non. C'est terrible. Non mais c'est terrible, c'est... Albert, pleurez pas parce que justement, je vais pleurer moi aussi. C'est la sonnerie de la porte. Faudrait que j'y aille parce qu'il se passe peut-être quelque chose dans la salle. Si je pouvais récupérer mon épaule, ce serait bien. Merci. Oh, monsieur Gérard, vous êtes là. Oui. Désolée de venir vous déranger jusque chez vous, mais oui. Vraiment, c'est une urgence. Oui. La porte des UV est encore coincée. Enfin, c'est pas possible, madame, je sais pas qui. Ben, je l'ai ouverte devant vous. Bah oui, peut-être, mais n'empêche, elle est coincée. C'est comme ça. Ah bon, ben non. Ben, je vais vous accompagner. Ah oh, oui. Allez. C'est pas mal, une minute. Monsieur Albert, ben, je descends, j'en ai pour quelques secondes. Profitez-en pour vous relaxer. D'accord. Pour l'avenir en rose. Ah, c'est ça. Merci, monsieur Gérard. Je vous en prie. Merci. Oui. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir. Je comprends pas. Ben, une porte, ça se ferme pas tout seul. Comme ça, comme par enchantement. Ah, ça, je ne vous le fais pas dire. Bon, alors ça vient. Ben, une minute, madame, je sais pas qui. Ben, c'est facile de se faire avec toutes ces clés. Hein. Puis moi, plus on serait, plus je panique. Voilà, c'est comme ça, je suis gentil, c'est tout. Eh ben, c'est pas trop tôt. Oui, oh non. Je sais, mais. Y a quelqu'un? Pardon? Quelqu'un veut parler?
Bah, Albert, mais qu'est-ce que vous faites ici avec Albert? Excusez-moi, oh là là, je dérange, hein. Je suis désolé. Mais il faisait froid dehors, alors je voulais dormir un petit peu, alors je me suis permis de me mettre un peu au chaud, là, et puis... Enfin, comme je dérange, hein, je m'en vais. Très bonne idée, voilà. Hein, excusez-moi, mais je veux ma salle du bain. Mais Albert, comment vous avez atterri ici-bas, de là-haut, c'est... Ça vous choque, hein, de voir là, ça c'est sûr. Hein. Oui. Ouais, mais vous savez, la vie vous réserve de ses surprises. Oui. Tenez-moi, par exemple. Oui. J'ai perdu mon travail, oui. J'ai perdu ma maison, oui. Ma femme m'a quitté. Et votre fiancé. Ouais. C'est ça. Et craquant 6 mois, je me suis retrouvé dans le caniveau. C'est ça. Oh, voilà. Je deviens fou, là. C'est ça, je deviens fou. Là. Oh. Mais... oh là là. Ah oui. Oh, l'odeur. Ouais, ouais. Vous savez, hein, pour prendre une douche dans la rue, pas facile. Ma dernière, elle remonte à 6 mois. Mais qu'est-ce qui lui a pris à lui, là? À lui, je ne sais pas, mais moi, je veux ma salle du V. Allez, ouste! Oh, c'est ça, je deviens fou. C'est ça, je deviens fou. Non, c'est pas... Allez, mon petit Gérard, allez, vous prendre sur toi. Oh, tu respires un grand coup. Monsieur Gérard, déjà de retour? Je suis beau. En tout cas, tu veux que je te dise? J'aurais jamais pensé que Madame Pichardot ait craqué à ce point-là après le départ de Marc. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Quand je pense que pour la calmer, il a fallu qu'on lui passe la vidéo des dernières vacances de Marc... T'oublies le vieux t-shirt. Oh, le vieux t-shirt, elle arrêtait pas de le mâchouiller, de le tortiller. Mais tu sais, exactement comme mon neveu le fait avec son doudou avant de dormir. Ah, tiens, les affaires reprennent, ça manquait d'animation. Oh, les filles. Il m'arrive une chose horrible. Ah non, mais une chose horrible. Il faut absolument que je vois Théo parce que je deviens dingo. Il est là? Bah, il est en main. Enfin, je veux dire, il est là-haut avec Claire, pourquoi? Ah oui. Oui, mais il faut absolument que je le vois. C'est pas, il faut que je le dérange, mais là, c'est urgent, du coup. Attends, qu'est-ce qui se passe, Gérard? Viens nous expliquer, là. Non, mais tu vois, c'est Fanny, c'est la tête qui fonctionne mal. J'ai des hallucinations. Comment ça, des hallucinations? Quel genre d'hallucinations? Eh ben, des hallucinations. Je vois un petit homme. Mais tout petit, tout malingre. Et puis, je le vois partout. Tu peux pas mieux t'expliquer? Je sais, c'est pas très clair. Bon, ben, en gros, j'étais dans ma réception, salle de sport, tu vois. Tranquille, et puis là, il y a madame, je sais pas qui arrive, et qui me demande d'ouvrir la salle des UV. Bon, ben, moi, je prends mon petit trousseau, et puis j'ouvre la porte. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois un petit homme malingre qui dormait. Tu veux dire qu'un petit homme dormait sous les UV? Non, il dormait par terre sous une couverture. Oui, un squatteur, quoi, bah oui, un squatteur. Oh, mon Dieu. Ah, mais non, mais rassure-toi, Stéphanie, non, c'est un gentil squatteur. Ah. Mais oui, c'est seulement un petit homme qui a pas eu de chance dans sa vie, tu vois. Alors, il m'a raconté sa vie, et puis ça m'a touché, alors... Je l'ai recueilli dans ma maison, il a pris une douche, puis après, on a discuté, oui. Et puis là, il y a madame, je sais pas qui est revenue à la charge. Elle m'a demandé de réouvrir la salle des UV, tu comprends? Mais je l'avais déjà ouverte. Et ben, je suis descendu. Et là, j'ai ouvert la porte. Et là j'ai retrouvé mon petit bonhomme couché sous sa couverture. Mais tu vas me dire qu'il était chez toi? Mais oui, mais c'est pour ça, alors je suis monté vérifier. Et ben, il était là aussi. Oui. Non, mais t'en es sûr? Mais puisque je te le dis. Non, il y a quelque chose qui tombe pas rond dans ma tête. Faut absolument que je vois Théo. C'est vrai que ça me paraît sérieux. Vaudrait mieux le déranger. Tu crois? Bon, alors qui y va? Madame Pichardot, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Et allons-y, ça vaut mieux. Écoute, Gérard, tu nous attends, on revient tout de suite, hein. On a un autre cas d'urgence à régler. Oui, allez, ça dépêche-toi. Tu nous attends, hein, Gérard? Mais calmez-vous, là, je voulais pas vous faire peur. J'ai juste vu la porte ouverte, alors... Allez, m'approchez pas! Oh, non, 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 non,
jamais mordre. Madame Pichardon. Osez-lui. Osez-lui. Cet homme est entré comme un voleur. Oh, c'est un criminel. Je suis sûr que c'est un criminel. Non, 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 je vous assure. Non, j'ai juste vu la porte ouverte. Alors, comme ça fait deux jours que j'ai pas dormi, je me suis dit, bon, bah, je vais piquer un petit somme. Oh, c'était pas une bonne idée, d'accord. Ok, je m'en vais. Oui. Au revoir. Allez, hein. Oui. Bah, vous êtes encore là, vous. Il est encore là, lui. Bah, moi, ça me fait drôle de se voir comme ça tous les trois. C'est bien simple, tout à l'heure, j'ai cru perdre la boule, là, non? Oui. On est désolé de vous avoir causé toutes ces frayeurs, monsieur Gérard. Ouais, si on avait su, pour dormir, on n'aurait pas choisi le même immeuble. Mais enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, une histoire toute bête. On est des triplés, comme vous voyez. Et on travaillait tous les trois dans un cirque. Ouais, on avait un numéro d'acrobate super. Ça marchait fort pour nous. Bah, jusqu'au jour où le cirque a fait faillite. Alors on s'est retrouvés au chômage. Puis après, ça a été l'engrenage, quoi. Oh, les pauvres. C'est triste, hein. Oh, mais vous inquiétez pas. On a décidé de s'en saisir. Ouais, fini la déprime. On va se battre. À trois, on est plus fort. D'ailleurs, jamais plus on ne se séparera. Ça, c'est une excellente idée. Oui. Enfin, des triplés, moi, je m'en serais jamais douté, hein. Comme j'avais dépassé la dose prescrite pour mon médicament, bah, j'ai cru devenir fou. Attends, t'as fait quoi, là? Mais non, mais c'est à cause de mon bouton, mais il est tellement laid aussi. Alors j'ai triplé la dose, tu vois. Et quand j'ai vu double, eh ben, j'ai cru que c'était un effet secondaire, puis voilà, c'est tout. Ça aurait pu l'être, Gérard. N'est-ce pas, mon nénurse? Ah, bien sûr. Non, non, faut pas rigoler avec ça, Gérard. Les médicaments, ça se prend pas au petit bonheur la chance. Non, mais vous inquiétez pas, ça m'a servi de leçon, ça. Je vous promets que je recommencerai plus, c'est promis. Ça, c'est... Gérard? Oui. Ta joue? Ben quoi, ma joue? Ben oui, ton bouton. Mais ben quoi? Il a disparu. Non. Oh, c'est super. Oh, c'est super.